va commencer par le début alors. Hein. Alors, on va commencer par libérer les oreilles. Donc, est-ce que chacun peut souffler dans l'oreille de son voisin ou sa voisine pour vérifier quand... Est-ce qu'il faut dégager les vieilles ondes de GSM qui traînent? Voilà, il y en a qui le font. Hein. Donc c'est un barde qui parle et on est plongé dans l'action, dans la forêt boréale. Le vieux Framar s'échappe de ses songes. Serpent languide, il s'étire dans son lit de terre froide. Peu à peu se réchauffent ses entrailles engourdies. Son échine fourmille de craquements. Au-dessus de lui, le ciel a basculé, évacuant les étoiles. Alors le vieux Framar sait que le temps est venu. Il inspire, bande son souffle, brise le sortilège et lance ses bras argentés à travers le Vianthrir, sur des milles et des milles de forêts boréales. Dans un silence immuable s'écoulent ses eaux. On pourrait entendre respirer les arbres. Ainsi débute mon chant, par l'éveil du fleuve à la fissure de l'hiver. Des morceaux de glace se détachent de ses berges, ses flots se gonflent du probit de la fonte, sa panse s'arrondit et devient navigable. Et tandis qu'il chevauche le nord, la forêt tout entière reprend vie. Des ombres muettes se préparent à ranimer leur vieille chasse. Les esprits prisonniers de la terre gelée s'en échappent en sifflant pour sinuer le long des racines. Puis, un certain jour de printemps, le vieux fleuve s'avise de nous offrir un présent. Aux premières brumes matinales, il charrie dans ses doigts glacés un homme aux jambes brisées qui dérive, fiévreux, sur un entrelac de branches au milieu du courant. Bien que le ciel soit clair, il est encore très tôt. Dans ce pays, en cette saison, la nuit ne fait qu'effleurer vos paupières, à peine un battement d'heure. Sur la grande gabarre amarrée à la rive, tout le monde est encore endormi, à l'exception de Varagouin le batelier, qui, comme toujours, promène ses insomnies sur le pont. C'est donc lui qui le voit venir en premier. C'est un spectacle étrange, un présent très incongru. Vautré sur une fourche de bois blanc, le blessé est sans connaissance. Ses vêtements flottent autour de lui, en lambeaux. Son visage est couvert de sang séché, au point que de loin, il apparaît noirci et craquelé comme le trognon d'un brûlé. Lorsqu'il est certain de ce que ses yeux voient venir, Varagouin ulule ce cri qui nous tire du sommeil, un long appel vibrant de marinier. Puis sans attendre, il se noue une corde autour de la taille et il saute par-dessus bord. Je me hâte d'endosser ma longue cape rapiécée et d'émerger de la tente de fortune qui nous sert de dortoir à l'arrière du bateau. Un instant plus tard, je me penche à mon tour par-dessus le bastingage. Plusieurs de mes compagnons viennent s'y presser à mes côtés, aussi hébétés, malfagotés et blafards que moi-même. Nous suivons des yeux notre batelier qui force sa voie en travers du fleuve, de l'eau roulant sur ses épaules. Il n'est pas loin d'intercepter les branches vagabondes qui tournoient lentement sur elles-mêmes dans des remous contraires. Puis il perd pied et se met à lutter âprement contre le courant pour garder le cap. Varagouin, avec son grand corps maigre, n'a rien d'un cogneur. Mais sa façon de fendre l'eau m'a toujours laissé pantois. Il vous en tranche du plat des mains, il l'emboutit du front, il la cisaille des pieds. En quelques brasses nerveuses, il parvient à atteindre le radeau de fortune, puis à y passer une boucle de sa corde. Alors il lève un bras à notre adresse, et les gars se mettent à tirer sur l'autre extrémité de la corde, pour les haler vers la gabarre. Lui, la fourche de bois blanc et son passager. Le coin est dangereux avec ses tourbillons sournois. Tout le monde voit bien que notre compagnon s'épuise à jouer la loutre dans cette eau glaciale. Varagouin s'arrime à la coque. La nasse de branchage s'immobilise contre le flanc du navire. Tout l'équipage applaudit le grand batelier barbichu, parce que son sauvetage improvisé est un authentique exploit, et qu'il a agi sans la moindre hésitation, sans quoi il aurait été trop tard, l'étranger skiff aurait passé son chemin. Lui, il tremble trop pour sourire, il grelotte de toute la longueur de ses membres, immergé jusqu'à mi-poitrine. C'est Miach qui descend dans l'eau pour l'aider, ce grand diable de Miach, à l'humeur aussi sombre et sauvage que ses cheveux. Il se méfie tout de suite. C'est tellement insolite. Le moribond a les deux poignets pris dans une corde de chanvre, dont les nœuds se sont un peu relâchés. Et dans cette boucle, quelqu'un, peut-être bien lui-même, a enfilé l'un des ergots de la branche. Ça l'a maintenu tant bien que mal lié à celle-ci, lui permettant de se laisser aller dans l'inconscience sans trop craindre de basculer.
L'une de ses jambes est enflée et tordue selon un angle étrange, l'autre lacérée, râpée et meurtrie à sang, comme s'il avait arraché au croc d'une bête sauvage. Nous tous, de la grande gabarre, qui venons à peine d'émerger du sommeil, nous dévisageons ce miraculé avec une stupeur abrutie. Alors la gabarre, on la voit ici. Ouais. Une bonne partie du récit, au premier niveau du récit, se passe en huis clos sur ce bateau. Après, il y a des histoires que raconteront les personnages. Et puis, il y a la forêt autour. Et vous imaginez la proximité des hommes. En plus, il y a les chevaux sur le pont, les tentes, sur ces deux gabarres. C'est inspiré des gabarres de Loire, la navigation de Loire. Et le monde des bateliers que j'ai découvert sur le pitch de mon récit est fascinant. Une richesse de vocabulaire, de techniques, de concepts, c'est très riche. Miach tire son couteau pour trancher les liens. Puis les gars descendent en grand pavois, bien horizontal, pour y coucher le blessé et le hisser à bord, avec des trésors de précaution. Il gémit faiblement lorsque nous le déposons sur le pont, presque sous les naseaux de nos chevaux. Je joue un peu des coudes pour entrevoir son visage. Je lui trouve une expression étrangement paisible. Notre homme est de taille moyenne, il ne doit pas avoir plus de 25 ans. La peau légèrement cuivrée, sous son masque de sang noirci, le nez busqué, une bouche sensuelle, un foisonnement de boucles noires collées à son crâne par la sueur et le sang. Un bel homme qui nous a déchiquetés là, grand-père Framard. Mais pas un gars du Nord, il n'en a ni les traits ni l'incarnation. Varagwin lui découpe les brés pour mettre à jour les chairs délabrées de ses jambes. À voir sa tête, ça n'a pas l'air bien parti. « Apportez-moi de l'eau claire » serraille-t-il. Tout le monde s'agite autour de nous sur le pont. Miach s'efforce de tenir les chevaux à distance, mais ceux-ci deviennent de plus en plus nerveux, alors il s'énerve. Il gueule qu'il faut déplacer le blessé sous la tente dortoir, à la poupe, que ça ne sert à rien de laver ses blessures si c'est pour le laisser vautrer dans la paille et le crottin. Les gars s'empressent de soulever à nouveau le pantin sanguinolent et font ce que dit Miach. Ils le déposent sur la première paillasse disponible. Quelqu'un crie mon nom. « Fintan ! Fintan Kalatin !» Je m'agenouille auprès du blessé et je fais signe à Varagwin de tenir les autres à distance. Avec mille précautions, je cisaille ce qui reste des brés pour mettre à nu la jambe gauche. Une belle fracture ouverte. L'os saille hors la chair au-dessus du genou. « Tu dois guérir cet homme ! Il a les faveurs du fleuve !» s'exalte quelqu'un derrière moi. « Il aurait pu se noyer 10 fois, mais les Nyx ont choisi de le préserver !» Je pousse un soupir excédé en dépouillant la cuisse droite des ruines de tissu qui s'y encroûtent. À première vue, pas de fracture nette, mais elle est enflée, jaunâtre, balafrée d'une entaille particulièrement profonde dont les lèvres ont pris une coloration grisâtre de mauvais aloi. Une odeur charognasse vous piquette le nez, ne laissant aucun doute sur l'état de santé du gaillard. « Il faut l'amputer, oui, » je rétorque sans relever le front. « Il est resté trop longtemps dans l'eau, la chair à vif. La pourriture a commencé son œuvre. Il nous faut Perdouane. » Perdouane Namarantri n'est pas vraiment chirurgien. C'est un chevalier, une robuste canaille de cadet de famille, entêté, mystique et paillard. À force de courir les batailles et de tutoyer la mort, le sort l'a mené plusieurs fois à effectuer des amputations de fortune pour sauver un compagnon. La soldatesque a fini par s'accoutumer à faire appel à lui lorsqu'il faut opérer, si bien que le surnom de Barbier Namarantri lui est resté. Au Moyen-Âge, les barbiers faisaient toute une série d'opérations. Ils vont le chercher sur l'autre gabarre. Le temps qu'il arrive, Varagwin s'interpose entre moi et le blessé. Il ne veut pas qu'on le raccourcisse. « Laisse-lui une chance, dit-il. Nous avons des herbes à bord. » Avant que je puisse répondre, la puissante voix du barbier tonitrue derrière mon épaule. « Ôte-toi de mon chemin, batelier. Tu lui rends pas service à jouer le dog devant ses guiboles. Dans l'état où elles sont, elles lui serviront plus à rien. » Si jamais il survit, cet homme ne remarchera jamais. Mais Varagwin ne veut rien savoir. Il raconte à qui veut l'entendre qu'avec des prières et des soins appropriés, on a déjà vu la gangrène battre en retraite. Qu'il connaît un homme qui a eu les deux quilles brisées sous son cheval et qui pourtant remarche. Et même, il court comme au premier jour. Perdouane réplique par les noms de tous ceux qu'il a vus crever des fièvres à cause de blessures moindres. La voix de notre capitaine met fin au débat, tranchante. « Réfrénez votre hâte à amputer, maître Perdouane. Trop souvent, ce genre de remède est fatal avant le mal. Laissez-le d'abord lutter. D'abord les herbes. » Venant d'un homme tel que le capitaine, ce n'est pas un avis. C'est une interdiction pure et simple.
et vient d'émerger de sa loge privée sous le gaillard d'arrière, la mise impeccable, un peu raide sous son lourd mantel de laine bleu turquin. Le visage du seigneur Kalendun Rana, comte palatin et père de Narakin, est un masque austère hanté par des yeux d'étain. Il a le front droit, les maxillaires larges mais le menton élégant, des pommettes robustes et saillantes. Sa longue chame anthracite, la tresse rituelle des chevaliers du vieux duché, lui repose sur l'épaule telle une couleuvre affectueuse. Je lis dans les muscles de sa mâchoire cette tension caractéristique qui, chez lui, signifie que toute discussion est vaine. Kalendun Rana chasse tout le monde du dortoir, à l'exception de Perdouane, de Varagouine et de moi-même. Son frère, Denandra Rana, nous rejoint juste après depuis la seconde gabarre et nous fermons le rabat de toile pour nous isoler du dehors. Nous évoquons ensemble les soins à apporter aux blessés. Sur les manipulations élémentaires, nous sommes tous d'accord. Exciser les chairs corrompues, réduire la fracture, traiter avec des onguents et poser un emplâtre. Mais aucun de nous ne croit que ce sera suffisant pour éliminer la gangrène et l'empêcher de reprendre le dessus. Nous possédons tous quelques bribes de savoir médicinal que nous nous efforçons tant bien que mal d'harmoniser, dans l'espoir d'offrir aux naufragés quelques chances de survivre. Varagouine croit d'abord aux litanies, à l'eau bénite, à l'intervention des forces mystiques pour triompher de la fièvre. Plus terre à terre est le capitaine qui mise davantage sur les onguents et les remèdes. Il a emporté avec lui une pharmacopée élémentaire. Nous nous mettons à palabrer et débattre âprement de son contenu, sans parvenir à nous accorder sur les herbes qui conviennent au cas présent. En désespoir de cause, Perdouane propose de nourrir le blessé au lait de femme pour qu'il reprenne, pour lui rendre des forces, comme il l'a vu faire sur divers champs de bataille. « Oubliez cette idée, maître Perdouane, » le rabroue le capitaine. « Pas question de redescendre jusqu'au lac pour quérir une nourrice. Je ne peux galvauder une seule des semaines qui nous séparent de l'hiver. »« Oubliez le monde que vous avez laissé derrière vous, » traduis-je mentalement. « Nous sommes seuls à des lieux à la ronde. » Nous restons un moment songeurs. Sans doute, nous avons en tête les mêmes questions qui risquent fort de rester sans réponse si l'homme du fleuve trépasse avant de parler. Perdouane et moi-même, nous prions les autres de sortir et nous nous mettons à l'ouvrage. Au dehors, juste devant l'entrée de la tente, je rallume le petit brasero de bord pour y infuser une décoction de feuilles d'effet. Je la verse dans la gorge du blessé, histoire de le plonger plus profondément dans sa torpeur et de le mettre autant que possible hors d'atteinte de la douleur. Puis je passe au feu la pointe de mon couteau. Je commence à exciser les chairs corrompues de son entaille à la cuisse, sans trop y croire. L'odeur nous saute à la gorge, j'en ai la nausée. Par moments, l'homme gémit faiblement. Ses lèvres remuent un peu, mais il garde les yeux clos et le souffle laborieux. Le vin bouillonne sur le brasero. Nous en répandons en abondance sur ses blessures pour prévenir la suppuration. Il porte au front une longue entaille qui a cessé de saigner depuis quelque temps. Elle ne présente aucun signe d'infection. Nous nous contentons de la nettoyer en profondeur et de la recouvrir avec un baume purificateur de ciste et de lavande. Puis nous retroussons nos manches pour affronter le pénible travail qui nous attend sur la jambe gauche. Sur ce terrain, le barbier Namarantri se montre bien plus déterminé que moi. Il a très peu d'outils à sa disposition pour opérer. Son couteau courbe surgit dans sa main, pointe vers le ciel. Une lame deux fois plus imposante que mon petit coutel a taillé des plumes. Il se met à en vérifier le fil. L'air étrangement détaché, avant de le passer à son tour avec une lenteur toute religieuse dans les flammes du brasero. Ce faisant, il murmure une ancienne litanie pour étouffer les esprits venimeux tapis sournoisement sur le métal. Ses yeux brillent d'une lueur mystique. Il a l'air de voguer lui-même dans un état second, proche de la transe extatique. C'est rassurant avant d'être opéré. Il me somme de maintenir fermement le blessé, et sans attendre, il se met à le charcuter pour dégager la partie saillante du fémur et enlever les esquidos. L'homme du fleuve ne se débat pas, il se contente de pousser de longs soupirs fébriles ou des hoquets étouffés à chaque fois que le fer de Perdouane lui trifouille les chairs. Moi, pendant ce temps, je me contente de tirer sur sa cheville pour maintenir la jambe en extension. Au bout d'un moment, le barbier remet le genou en place, provoquant chez son patient une sorte de soubresaut convulsif et un flot d'humeur carmine. Mon assurance s'en va à vaut le sang. Le bois sous nos pieds s'engorge à l'envi. Je ne suis pas loin de tourner de l'œil. En fait, quelques instants de plus y suffiraient parfaitement. « Va me chercher du crâne cheval !» me souffle mon compagnon. Je m'exécute sur le champ, trop heureux de quitter un moment l'atmosphère poisseuse de la tente. En sortant, je remarque la cautère qui rougit dans le brasero. Ça m'apprend que le barbier Namarantri n'a pas complètement écarté l'idée de l'amputation si nos soins ne tournent pas comme il l'entend. Un moment plus tard, je reviens avec quelques beaux fils de crin doré,
offrande de la jument du capitaine pour le salut des moribonds. Père Douane s'en empare aussitôt pour recoudre les blessures de notre homme avec une haleine. Suite à quoi, il lui tartine les chairs d'une bonne platée d'onguents et de cataplasmes cicatrisants préparés par le capitaine Rana lui-même. « Maintenant de l'œuf, de la farine, du drap !» Nous avons embarqué avec nous quelques poules, leur vilain croupion baguenaude sous le gaillard d'arrière, de la seconde gabarre, en compagnie de nos sacs de froment. Je m'en vais y faire un tour. Je rapporte au barbier tout ce qu'il demande. Il s'en sert pour maçonner un emplâtre sur la cuisse fracturée, ménageant un ajour juste au-dessus de la rotule pour laisser respirer la plaie laissée par l'os saillant et suivre son évolution dans les jours prochains. Pour être sûr de son fait, il bâtit son ouvrage autour d'une bonne attelle de bois. Il lie l'autre jambe à un tuteur plus sommaire par mesure de précaution. À la fin de la matinée, il a du sang jusque dans la barbe, mais il est parvenu à redonner aux membres du blessé une allure à peu près humaine et s'est assuré de les immobiliser dans la position voulue. Je dois reconnaître la valeur de son ouvrage, mais ça ne changera probablement rien à l'affaire. Si vilainement rompu, rares sont les os qui se ressoudent correctement. Nous tombons d'accord sur le fait qu'il faut à notre homme encore de la feuille des fées, toujours plus de feuilles des fées, et puis les prières d'un brahmine et les faveurs des astres. Hormis par la grâce de ces dernières, je vois mal comment il vivra assez longtemps pour nous raconter son histoire. C'est déjà grande merveille qu'il ait pu tenir jusque-là, tremblant de fièvre, vidé de son fluide dans l'eau glaciale du fleuve. Sitôt notre labeur terminé, le capitaine donne l'ordre d'appareiller. Le vent, ce sacré bout au rein, ne se fait pas prier pour engrosser notre voile. La seconde gabarre prend notre sillage et nous retrouvons le cours de notre remontée vers l'amont. La main encore un peu tremblante, je prends ma plume pour inscrire quelques mots dans le grimoire de bord, selon le vœu de la duchesse. Attiré sur le vélin le fil de l'encre, la tension s'en va peu à peu. Mes doigts retrouvent leur assurance. Les questions, elles, demeurent. Fourbe est le vieux fleuve, et folle qui prétend lire le cours de ses eaux. Allez savoir quelle surprise il nous couve encore. Ça, c'est le premier chapitre du premier tome. Est-ce que vous en voulez encore ? Oui. Alors, je peux vous proposer une scène d'action, une scène de magie, d'atmosphère magique, et une scène grivoise. Qui veut quoi ? On fait un vote. Pardon ? On fait un vote. Bon, qui vote pour grivois ? Les trois, oui, il y a magie maintenant aussi. Bon, les trois, c'est moi, je veux bien. Vous avez du temps, oui ? D'accord. Alors on commence, peut-être laisser Grivois pour après, rigolo, c'est un peu serré d'abord. Alors, magie tout le monde. Alors on est dans une traversée, dans un tunnel montagneux. Les compagnons qui... Donc on a là une équipée de jeunes gens qui ont du sang solaire en eux. Et ils traversent les montagnes à travers les tunnels des géants. Et ils sont là un peu en clandestin. Je trouve le passage. Voilà, c'est ça. Et donc, ils suivent, dans ce tunnel, ils suivent un torrent. Ils ont vu dégeler une cascade. Ils ont attendu le dégel au printemps pour que s'ouvre la porte des géants, qui permet de traverser les montagnes. Et derrière la cascade, il y avait des portes, avec des trous qui laissent couler l'eau. Et ils sont donc, ces portes se sont ouvertes à l'occasion du dégel, mues par la simple force mécanique de la cascade. Et on dit que rôde dans ces tunnels un esprit du nom de Blanc-Briseur. Ils sont arrivés à la conclusion que le Blanc-Briseur, c'était tout simplement le torrent. Qu'il remonte. Ils progressaient dans un boyau étroit qui les contraignait à remarcher dans le cours du torrent. Il rôdait là une brise subtile. À peine un déplacement d'air, presque inaudible au début. Sa rumeur enfla. Emplit progressivement le roc de chointements lugubres. Caressante, elle leur soufflait au visage son haleine froide de roches humides et de glaces sablonneuses. De temps à autre, elle s'arrêtait tout net, laissant planer quelques instants de silence. Et puis elle renaissait doucement, mais en inversant contre toute logique le sens de sa course. Alors, sourde mais sifflante, elle aspirait les compagnons vers le cœur de la montagne. Au bout de plusieurs cycles semblables, ils prirent peu à peu conscience de ce dont il s'agissait. Une respiration colossale, infiniment lente et profonde, tapie au cœur du massif. Aucun d'eux n'osa formuler cette idée à voix haute, mais une angoisse nouvelle s'insinua en eux, au fur et à mesure qu'ils s'habituaient à cette présence permanente, drapée dans l'air autour d'eux.
D'autres présences, plus menues, rôdaient dans les parages. Du coin de l'œil, on apercevait à la dérobée des remous dans l'air, des troubles à la surface de l'eau. Des choses froides, invisibles, leur glissaient le long de la nuque, dégoulinaient dans le creux de leur cou. Des murmures incompréhensibles se chuchotaient à leurs oreilles et s'accrochaient à leurs cheveux. Contact ténu, presque douteux, qui leur pesait sur le cœur, mais dont aucun d'eux ne soufflait mot, par crainte d'être le jouet d'illusions. Puis vinrent les odeurs. Elles leur parlaient. Du sel et de l'air de la mer, du parfum léger des baies et des fleurs des alpages, des riches fragrances de l'encens et des épices et de sels enivrantes de la chevelure et du corps d'une femme, qui bientôt se muèrent en âcres odeurs d'aisselle, de bile, de sang et de placenta. Les miasmes du bois putrescent, le fumet des fruits pourris, et derrière, sinistre bourdon de cette symphonie, l'odeur de la terre retournée, la puanteur de la chair corrompue et de la viande avariée. Amblioros s'immobilisa. « Sentez-vous comme moi ?» Les autres hochèrent la tête sans mot dire. « C'est parce que nous sommes environnés d'esprits éphémères. Je peux les percevoir autour de nous. Ça bouillonne, ça pétille, glisse et ça sinue comme serpent d'air. Les odeurs de choses absentes sont leur langage. » Ils restèrent quelques instants plantés là, sans mot dire. « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» interrogea Léatam, fébrile. « Rien. » Je peux pas nous protéger comme Sénope l'aurait pu. Mais ils ne peuvent pas nuire grandement, à moins que nous ne perdions notre calme. Ne tentez pas de les comprendre. Il n'y a pas de sens à démêler les chevaux de leur... Léatam l'interrompit d'une brusque bourrade qui manqua le faire tomber à la renverse. « Regardez ! L'eau ! L'eau !» La ruspice baissa les yeux et connut un instant de pur saisissement. Autour d'eux, le torrent s'était arrêté. L'eau s'était totalement figée, formant une chape d'une immobilité de nacre. Ils retinrent leur souffle. Née d'un silence absolu, la brise renaquit, légère, jouasse, s'en vint courir sur leur peau. Expira lentement la montagne. Des rides apparurent dans le tapis aqueux. Elles s'amplifièrent, devinrent chapelets de gouttes, crevant la surface comme des doigts effilés, s'étirèrent en stalagmites d'argent liquide. Au point de tension, les gouttes rompirent leur amarre, et se mirent à tomber vers le haut, une pluie épaisse et crépitante. Elles se muèrent en poissons volants argentés, qui demeurèrent suspendus en l'air, à frétiller. Dans leur frénésie, ils produisaient une lumière pareille à la lune pleine qui pulsait sur les lisses parois calcaires et teintait toute chose d'un étrange enchantement. Un chant féminin résonnait, lointain, irréel, réverbéré par des kilomètres de galeries. L'un après l'autre, les poissons volants éclatèrent comme des bulles de savon, vaporisant le roux sur les fils de la housse. Et à chaque éclatement, de joyeux cris d'enfants fusaient, venus de nulle part. La lumière mourut. L'eau immobile autour de leurs mollets s'échauffa, froidit, gela, puis s'échauffa à nouveau brusquement. Alors un rugissement titanesque enfla dans les galeries lointaines, profond, caverneux, incroyablement assourdi. Ils surent qu'une puissance ancienne faisait valoir sa volonté. Elle gronda pendant un long moment, durant lequel les compagnons n'osèrent esquisser le moindre geste. Sa voix courut dans les entrailles de la montagne, emplit entièrement leur esprit. Puis, sur une ultime et interminable note de basse, elle se coucha et se tut. Le courant repartit vers l'aval. Le paisible champ d'eau reprit ses droits. L'un des compagnons émit un soupir qui tenait plus du halètement. On entendit un raclement de gorge et la voix rauque de l'erf. Tu nous dis que le blanc briseur n'est rien d'autre qu'un torrent. J'aimerais bien en être sûr. Il avait raison de douter, le grand forestier à la barbe enchevêtrée. Car de par le vaste monde, il n'existe pas de lac, rivière, colline ou montagne qui ne soit animé de sa propre conscience. Et bien que la plupart de ses âmes, depuis les commencements du monde, aient faibli et se soient endormies, il en reste toujours une étincelle plus ou moins vivace. S'il en allait un jour autrement, le monde deviendrait bien triste. Ce torrent-ci érodait les pieds de très anciennes puissances. Pas de quoi s'étonner si sa conscience pouvait encore se manifester de façon si ardente. Pour un peu, il se serait levé dans son corps de rocaille. Il se serait mis en marche sous la forme de quelques terreux reptiles, écailles de schiste, les yeux de braise, la bouche empuantie de soufre, crachant des tombereaux d'eau nacrée. Il aurait marché sur ses hommes pour faire régner sa loi, tels les antiques élémentaires qui arpentaient le monde avant l'éveil des géants.
Ça, c'est la magie, elle a chez moi. C'est très chamanique. C'est une magie d'esprit. Là. C'est vraiment la présence des esprits qui se révèle de façon très sensorielle, en fait. C'est quand même à chaque fois quand même les odeurs qui sont énormément mises en avant, entre le début et... J'ai même des scènes où la présence des esprits se manifeste par des goûts, des amertumes sur la langue. C'est... J'aime bien travailler sur les cinq sens, on fait assez peu finalement, on est tous très visuels, donc spiritueux. Moi je suis musicien, donc je suis très auditif aussi. Mais... Alors, tu veux pas la scène grivoise? Bien, il y a des cœurs sensibles. Bon, alors on va parler d'un des compagnons d'Agrand Gabar, ce personnage qui sort de l'ombre, qui se révèle un peu tour à tour. Donc là, on va. Ah mais en fait, ceci c'est tellement une incise que c'est ouais, c'est vraiment. On va juste parler du récit de vie d'un des personnages. C'est, ça va rien t'apprendre sur la suite de l'intrigue. C'est promis. Tu vas juste déflorer ce petit passage où on parle du brin de Duane. Un des personnages qui est fort secondaire dans le tome 1. Tu m'as déjà entendu lire ce passage-là. Je suis désolé. Comme les deux autres étaient inédits. C'est ça, voilà. Donc en fait, le barde fait un peu le point sur ses compagnons de bord. Pour des raisons que vous découvrirez. Et donc, on a un compagnon à bord dont on a finalement assez peu parlé à ce stade. Mes regards se reportent ensuite sur le brin de Duane, grand gaillard broussailleux à l'épaisse tignasse brune, au faciès de loup cervier. C'est quoi comme animal, le loup cervier ? C'est l'appellation médiévale du lynx. Voilà. Cet escogriffe souple comme un singe est plus tanné que ne le voudraient ses 18 printemps. Il fait partie de ceux que j'ai choisis personnellement pour rejoindre notre expédition, sur le conseil du Bélier Rouge. Il m'avait raconté lui-même son histoire autour d'un feu de camp. Allez savoir pourquoi, celle-ci m'avait inspiré confiance et convaincu de l'emmener avec nous. Sa famille tenait une auberge sur la rive est de Langmuir. Un gros relais cossu, bien équipé en stalle. C'est là qu'il a grandi, entre palefreniers, bûcherons et bateliers. Lui-même un peu de tout ça, sans doute. Ses parents étaient de bons partisans de la lune et du cerf. Mais quand les hostilités ont éclaté, ils se sont retrouvés du mauvais côté de la frontière, en territoire contrôlé par les Souranès. Ça ne les a pas empêchés de rester patriotes, en soutenant les couleuvriniers comme ils pouvaient. Pendant plusieurs mois, ils leur ont offert discrètement le gîte, le couvert, et une bonne planque pour mener leurs incursions dans les alentours. Couleuvriniers sont les partisans du camp dont font partie les personnages. Ce bel élan civique a fini par leur coûter cher. Un beau jour, les gars du connétable ont débarqué en force, plus que titillés par les coups de main répétés des torchards. Ils ont fouillé toute l'auberge et n'ont pas à découvrir ceux qu'ils traquaient, cachés dans les greniers. Les nôtres ont vendu chèrement leur peau. Les planchers de la bâtisse se sont gorgés d'un sang qui n'était pas seulement le leur. Mais ils n'avaient pas le nombre pour eux. Si bien que les derniers à résister ont tout de même fini pendus aux arbres voisins. Les parents du brin étaient du nombre, et aussi quelques-uns de leurs commensaux. Le brin lui-même, ils l'ont épargné. Il n'avait pas encore ce poil touffu. Il est parvenu à mentir sur son âge et se donner du 14 ans. Le capitaine Souranès qui menait l'assaut était un homme pieux qui respectait les lois de la guerre. Il ne voulait pas prendre le risque de passer la corde au cou d'un gamin. Au lieu de quoi, il l'a fait envoyer dans un monastère au nord du fleuve et tchaï, notre pandar s'est retrouvé à formuler ses vœux sous la menace de l'épée. Ce n'était pas n'importe quelle abbaye, évidemment. Un cloître des frères de Ronce, parmi les plus rigoureux de toute la foi solaire. De quoi remettre dans le droit chemin une jeune pousse de rebelles, déjà formée à manier les armes et dormir sous la verte tente. Le brin s'est accommodé comme il pouvait des épais murs couverts d'épines. De la discipline inflexible des promesses qu'on lui avait arrachées, l'austérité, la chasteté, la mortification de la chair, une vie de prière et un silence forcé qui ne s'interrompait qu'à certains moments de la journée. C'est la chasteté qui s'est révélée la plus difficile à supporter. Le jour où il a craqué, il s'est emparé d'une chaîne pénitentielle et il est entré en guerre contre la foi avec les armes de la foi.
Ce n'était déjà plus le garçon imberbe qu'on avait cloîtré une bonne année plus tôt. 15 mois de corvée avaient parachevé un homme robuste, habitué à manier la cognée et la houe. Il avait déjà connu les joies de la chair avant d'être emprisonné en religion. Ses réclusions n'empêchaient pas sa jeunesse vigoureuse de le démanger plus souvent qu'à son tour. Un beau jour, donc, il en a eu assez qu'on le muselle et qu'on le batte. Marc, on le force à dormir dans une culotte de laine rêche, les mains sanglées ensemble de peur qu'il se dérobe à lui-même un instant de plaisir. Assez que pour tuer son désir, on lui parle des entrailles puantes qu'abritent les ventres de femmes, pareilles à des nids de vipères, qu'on lui apprenne à abominer sa propre chair, à brider ses astres intérieurs et se sentir coupable au moindre chatouillis de son vide. Alors, il a pris sa fine chaîne de métal barbelé. Il se l'est nouée autour du front, pour bien montrer qu'il s'efforçait de réprimer ses pensées impures, mais que seule la force du fer pouvait encore contenir ce torrent. À l'aube, il est entré dans la chapelle de Nimir, où sa mortification n'est pas passée inaperçue. L'office finissant, d'autres novices sont venus lui glisser un mot à l'oreille et lui demander pourquoi il s'infligeait plus de peine que ne le requérait le frère correcteur. Foutre, il a marmonné en réponse, une voix si peu intelligible que les autres ont cru mal comprendre. Lorsqu'il est entré au réfectoire, trogne buté, le front bas, il exudait une telle colère rentrée que bien des regards se sont tournés vers lui. Personne n'a pu manquer la couronne sanglante qu'il avait sur le chef. Soupçonnant quelques provocations, le père supérieur l'a désigné pour lire les oraisons matinales. Il savait que le grand escogriffe lisait laborieusement. Sans doute souhaitait-il le ramener à plus d'humilité. Tandis que ses frères prenaient leur repas, le brun s'est dressé, tout raide devant le pupitre, et son long doigt basané s'est posé comme une verge sur les pages en parchemin. Découvrant les saintes écritures, il a entrouvert une bouche béate d'adoration mystique. Son regard s'est mis à courir le texte, mais seul un marmottement inaudible est sorti de ses lèvres. « Plus fort !» l'a adjuré le maître, courroucé. Le brun a levé vers lui des yeux un peu perdus. Pour toute réponse, il a dégoisé quelques grognements porcins, l'air profondément navré. Comme plusieurs novices pouffaient discrètement, il a secoué la tête avec désespoir, s'est frappé la poitrine en signe de contrition, serré la gorge des deux mains tout en grognant de plus belle. On aurait vraiment juré que le verbe était coincé dans son gosier, qui ne parvenait plus à émettre que des sons animaux. Et puis soudain, sur un haut-le-cœur, il a retrouvé l'usage des mots, et ceux-ci ont roulé brutalement au dehors. « Je veux le foutre !» il a glapi. Le visage du supérieur est devenu dur comme la pierre. Il l'a sommé de répéter ce qu'il venait de dire. « Je veux le foutre !» a bramé le brun de plus belle. Et cette fois, ses paroles ont rebondi lourdement contre les voûtes du réfectoire. Son visage s'est convulsé de tics violents, comme si tout son être s'efforçait de contenir ce vocable impie. En réalité, la liberté qu'il s'offrait l'emplissait d'une joie féroce. Il prenait un plaisir pervers à feindre la compunction. Certains des novices s'y sont laissés prendre. Ils ne savaient plus s'ils assistaient à une bouffonnerie incroyablement téméraire ou à une véritable lutte intérieure. Dans le coin de la salle, le frère correcteur a fait un pas en avant. Tout le monde a compris que les choses allaient mal tourner pour l'impudent. « Approche !» a ordonné le supérieur. Le brun s'est avancé jusqu'à la table où mangeait le gardien des âmes. C'était un homme grand et froid, les mains et le cou profondément engoncés dans son immense coule grise. Il était aussi dépourvu d'empathie que de pilosité. Glabre son crâne et ses arcades sourcilières, glabre sa peau pâle et glacée. Tout en lui faisait contraste avec le novice velu qui s'avançait vers lui la mine basse, le regard faussement pénitent, une drôle d'ardeur dans les yeux. Le maître a fait savoir au disciple qu'il ne l'avait pas autorisé à se mortifier plus durement que ses frères. D'un geste, il l'a prié d'ôter sa chaîne. Le brun s'est exécuté docilement, conservant toutefois l'objet du supplice entre ses deux pognes jointes. Mais cette réparation ne suffisait pas au révérend. Chacun voyait qu'il entendait faire un exemple, qu'il prenait tout son temps pour le faire. Glacial, il a sommé le jeune homme de répéter ce qu'il avait lu dans les Écritures. « Je veux foutre !» lui a beuglé le brun à la figure. « Foutre !» Et il a abattu la chaîne de toutes ses forces sur les doigts du moine, brisant plusieurs phalanges et faisant jaillir des copeaux de chair. Le visage de l'ecclésiastique est devenu cramoisi. Celui du frère correcteur s'est tordu d'une colère stupéfaite. Il ne lui a fallu qu'un instant pour se remettre de sa surprise. Sa nature violente a repris immédiatement le dessus. Il s'était lancé vers le rebelle d'un pas d'angle, pareil à un buffle à la charge. C'était un mastodonte qui devait peser au bas mot 400 livres. Le brun n'avait aucune intention de se laisser étreindre.
Il a sauté sur la table et s'est mis à courir dessus, renversant les écuelles et clamant « Foudre, foudre, foudre !» battant les airs de ses deux longs bras simiesques et semant à lui seul un impensable chaos. Deux auxiliaires sont accourus prêter main forte aux frères correcteurs, armés de badines et de fouets de corde. Notre compagnon a vu venir le danger à temps. Pour échapper à leur nasse, il s'est précipité dans l'escalier vers les étages, toute la chiourne monastique sur les talons. Il n'a bientôt plus d'autre refuge que le toit. Ce matin-là, il tombait une pluie légère, si bien que seul le frère correcteur s'est risqué à poursuivre le plaisantin sur les tuiles glissantes. Encore n'osait-il le faire qu'assis à califourchon sur le faîte, progressant comme une tortue, tandis que le brin de Duane, lui, courait sans peur sur le versant mouillé, insouciant du risque de chute. Parvenu au pignon, il s'est dressé face à la cour du cloître, bien campé sur ses jambes. Il a levé les poings au ciel et s'est remis à brailler son cri de guerre comme un possédé pour tous ses frères assemblés en bas. « Je veux foutre ! Je veux foutre ! Des culs ! Des cons ! Foutre !» Et chacun de ces beuglements lui faisait oublier un peu plus les longues semaines de continence. Lorsque le frère correcteur est parvenu jusqu'à lui, l'air peu jouasse, c'est à peine s'il a daigné lui prêter attention. Un geste précautionneux, le maton s'est remis debout, une jambe de part et d'autre de la fêtière. Quand il s'est senti assez assuré sur ses pattes, il a fait claquer son redoutable fouet de cuir. Le brun a simplement étendu le bras. Il a capturé deux lanières de sa main nue et tiré d'un coup sec. Le lourdeau a perdu l'équilibre et est parti à la glissade en hurlant d'horreur. Il couinait encore en basculant par-dessus la corniche, et jusqu'au moment où il s'est écrasé en contrebas. Sa chute a plongé le monastère dans la consternation. Le supérieur s'est mis à proférer des malédictions, petite silhouette gesticulante rivée à la terre. Il a jeté l'anathème sur le meurtrier, proclamant que sa nature traîtresse avait repris le dessus, qu'il était l'une de ces bêtes sauvages avec lesquelles copulent les couleuvriniers, un lynx que les maléfices de Maroué avaient doté d'une apparence humaine. Il a sommé de descendre se livrer à la justice. Et comme l'impudent réclamait toujours des cons à foutre et ne se souciait pas de lui donner d'autres réponses, les moines sont allés chercher des arbalètes. Le premier carreau a sifflé à quelques pouces de l'oreille droite de notre compagnon, rompant instantanément son euphorie. Il a su qu'il voulait vivre et sauver sa peau. Il s'est laissé glisser sur l'autre versant du toit, hors de vue de la cour. Il a pris appui sur la corniche et s'est jeté dans le fleuve Angmuir de toutes les forces de ses jambes, par-dessus les ronciers et les murs qui fermaient le monastère. Par quelque faveur des astres, sa nuit a pas rompu les eaux. Un bon moment plus tard, il émergeait des eaux sur l'autre rive pour se perdre aussitôt dans la forêt. Il a craqué un peu, hein. La première chose qu'il a fait après s'être séché, c'est de tomber. Moi j'imagine bien courir sous les tables, etc. Ce serait bien en film quand même, hein. Ouais. Je crois qu'on a envie de le voir. Il faut qui pour jouer le gars. Comment? Il faut trouver un acteur pour jouer ce personnage. Un Depardieu, je sais pas. Il fait un peu vieux par rapport au... Oui. Il est 12h20, je sais pas jusqu'à quelle heure on a. Ou... Jusqu'à 13h? Au max? Jusqu'à 13h, il y a une conférence. Mais c'est comme vous voulez. Il faut nourrir l'auteur aussi. Non, mais elle est à 14h la prochaine conférence. Est-ce que vous en voulez encore un peu ou pas? Est-ce qu'il est midi dans la scène d'action? La scène d'action, oui. Ça fait plus longue, hein, mais... Après, sinon, j'ai une belle soulographie féminine aussi. Action ou soulographie féminine? Attends, je ne sais même pas ce que c'est qu'une soulographie. C'est quand un personnage est sous. D'accord, ok. Bah écoute, c'est rigolo aussi. Ouais. Je sais pas. Non, mais c'est plus par contre. Enfin, ouais, la deuxième soulographie. Ouais, moi, qui est soulographie? Allez. Je pense que ça va être drôle. Ceci dit, le livre est disponible. Ça, c'est du teasing. Alors, nous sommes ici maintenant dans une île du Nord où les femmes peuvent être seigneurs. Enfin, si la femme est l'aînée, c'est elle le seigneur et le petit frère n'a qu'à suivre. Et nous sommes avec la dame Nayolé du Harfang, qui est à la fois seigneur et chamane. Il faut imaginer que c'est vraiment un peu le nord de la Finlande. Que c'est plein de tribus style Lapon chassant le vent des rennes, etc. Et qu'elle est sur vraiment une mode féodale avec un château de bois, avec un tout petit peu de pierre. Et puis c'est sa fille qu'on va suivre, qui doit faire avec une mère qui est une mère exubérante et donc parfois un peu encombrante. Et il y a un beau jeune écuyer qui est dans le château et il se passe des choses entre eux et la mère n'est pas forcément consciente. Alors,
Que je trouve le passage. Pour le suspense. C'est ça. Alors, la scène qui suit immédiatement, si je vous la fais, elle était particulière pour moi parce que d'écrire la première fois du point de vue d'une femme, c'était... J'ai des lectrices. Hein. Donc voilà, en plus elle vient de faire accoucher, elle est accoucheuse, elle est seigneur et chamane, elle est accoucheuse, elle est vraiment particulière, c'est vraiment le Nord, on est loin de la civilisation. La nuit est tombée depuis longtemps, donc il faut imaginer le personnage, elle est opulente, elle a pas loin de la cinquantaine, des robes colorées. À la première scène, on la voit, elle bondit sur l'étape pour jouer du tambourin, faire danser tout le monde, elle accueille le retour de son fils avec son ami écuyer, puis la sœur, notre héroïne. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque la dame du Harfang est remontée au fort, la robe maculée et les bras tout poisseux. Elle avait l'air éprouvée mais arborait une expression satisfaite. La petite princesse Tsuni avait déjoué les augures et son enfant se portait bien. Aidez-moi, elle est allée tout droit vers le puits. Aidez-moi un peu, feignasse, a-t-elle maugréé. Vous ne faites rien de vos jours. C'est à moi qu'elle adressait ce reproche, mais c'est Mejo, le beau jouvenceau, qui s'est empressé de lui tirer de l'eau pour lui permettre de faire ses ablutions. Tandis qu'elle se récurait sans complexe devant les écuries, les seins nus et le corps ruisselant, elle s'est tournée vers mon galant. Tant que nous y sommes, montre-moi donc cette fameuse lance. Bon, ça c'est pas important. Maintenant, à table, a claironné la maîtresse des lieux. J'ai fait assez d'efforts ce jour, il est temps de fêter ça. Quand la dame du Harfang sortait d'une journée difficile, elle éprouvait quelquefois le besoin de se défouler. Dans ces cas-là, elle ne valait guère mieux que le père de Mejo. Je savais d'avance comment se déroulerait le dîner. Elle se donnerait joyeusement au siavo, l'alcool local, perdrait toute retenue et la soirée dégénérerait pour finir en longues diatribes bruyantes et enflammées. Naturellement, elle s'est faite un devoir d'honorer mes craintes. Ce soir-là, non seulement elle s'est saoulée sans vergogne, mais en sus, elle s'est mise en tête d'aguicher mon Mejo, oublieuse de son âge et inconsciente de nos liens. Ça m'agaçait prodigieusement. Je me sentais piétiné dans mon propre jardin, impuissante à riposter. Elle s'est même permis de poser sa patte sur la cuisse de mon galant, la catin, tout en prétendant verser une nouvelle rasade argentée dans son gobelet. « Tiens, mon joli, bois, il y a de la vie à célébrer et que pisse le siavo !» Comme il s'efforçait de refuser la goulée, j'ai volé à son secours. « Yash, yash, laisse-la tranquille, Maïbo. » Maïbo, c'est maman. « Mejo a besoin de toute sa lucidité. Demain, il m'accompagne en forêt. » Ma matrone a relevé le menton avec dédain. « Que dis-tu là, ma toute petite donzelle? Tu n'es pas son échanson, que je sache. Ce garçon meurt de soif, et la soif, t'y connais rien. Laisse-moi faire. » Et derrière chef, elle a soulevé sa gourde et puis tenté de caresser du doigt les lèvres de Mejo. Et comme ce dernier esquivait plus franchement ses avances, elle a fini par se vexer et retourner contre lui son agressivité. « Eh quoi ? Va te coucher alors, petite bite ! À quoi te sert d'être lucide demain ? Tu cherches pas à courtiser la forêt. Dis-moi, lorsque tu chevauches avec ma fille, dis-tu bien les mots mages, hein ? Est-ce que tu grattes la gale au tronc ? Ha ! As-tu seulement béni les traces d'Apou en lui présentant tes respects ? » C'est vrai que dans cette forêt, il y a toute une série d'esprits animaux qui règnent et qu'il faut être courtois avec les arbres pour être aimé de la forêt. Et pour ça, notamment, aller gratter la gale, etc. C'est des petits services que tu rends aux arbres qui font que tu auras bonne réputation dans la forêt. Et Mejo, qui est un jouvenceau qui vient du sud, a un peu perdu ses usages. Elle s'est penchée en avant, un index sentencieux posé sur son petit nez plat. Faut que tu lui fasses du gringue à cette forêt, si tu veux qu'elle te baise un jour. Faut la marivauder, la lécher, la mordiller, la flatter. Son haleine imbibée a contraint mon damoiseau à prendre du recul. Elle a pris ça pour un aveu de faiblesse et s'est mise à lui ricaner au nez. « Ouïa, tu vois, si t'in tu es, si t'in tu restes, étranger à ton peuple. » Manizu, l'héroïne, elle n'avait pas encore de miche qu'elle courait déjà l'empio, la forêt. Elle a pris le temps de faire tous ses gestes et maintenant la forêt la connaît bien. « Ah, ma petite tignasse foutraque, il y a bonne réputation, ouais, chez les choses qui volent comme chez celles qui courent, celles qui rampent, celles qui fuient, et celles qui poussent. » Ouais, elle n'a jamais connu d'un père ni vexé personne. N'est-ce pas ma petite renarde gironde ? Et sur ce, il a fallu qu'elle se mette à me ploter affectueusement avec ce maudit air de complicité surjouée qui redoublait mon supplice. Quant à Mejo, au lieu de répliquer,
il a fait ce que font si bien les Firouanes, plier pour ne pas rompre. Il s'est mis à approuver humblement chaque phrase du soliloque maternel tout en remplissant consciencieusement son gobelet, et de lui pousser sous le nez, comme ça, naturellement, en manière d'excuse. À chaque fois, elle s'en emparait d'un geste autoritaire, le vidait d'une traite. Ah, le bon Siavo qui glougloute en gourde, clapote en calice, goulaye au gosier. Comme il est difficile d'arrêter ce flot. L'autrice de mes jours... Alors que je revois ça. L'autrice de mes jours commençait à accuser le coup, l'air de rien. Sa bouche était de plus en plus pâteuse. Ses mots gourds. Va falloir mieux t'appliquer si tu veux faire le firouane, Timéjo. Tout Timéjo. Hein ? Que je t'apprenne. Elle a tapé du gobelet sur la table, s'est levée dans toute sa majesté, s'est frappée la poitrine du poing. Vais t'aider à devenir un homme, petit con. Vais t'aider parce que moi, je règne sur tout ça. Se marmonnant, son cul est retombé bruyamment sur son siège. Son avant-bras a fait voler le gobelet qui a roulé au sol sans se briser. Un vrai miracle. L'instant d'après, elle s'abîmait dans ses pensées, les yeux mi-clos et le front bas. Elle a bien tenté de relever le menton, l'œil suspicieux. Mais il est retombé des rechefs sur son poitrail. Et puis tout son corps s'est mis à glisser mollement sur le côté. Et Dame Nayolé, seigneur du Harfan, s'est affalé, vaincu, dans sa cathèdre collante de tout le breuvage renversé. Pour comble, tandis que je me retirais avec notre invité, son ronflement colossal s'est élevé dans la salle. Si le fort du Harfan avait ce soir accueilli des visiteurs, à coup sûr ils auraient pensé que des gobelins crasseux s'y terraient, grondant dans chaque recoin. Ce son les aurait frappés de terreur, ils auraient pris la fuite pour ne plus jamais revenir en ces lieux. Sur le seuil de la tour, j'ai m'originé mon amoureux. « Tu n'as pas honte de saouler ma mère, gredin ?» Il a ri, très content lui-même. « Comme tu y vas, ivre, elle l'était déjà. Ivre morte, elle en prenait la route. Je l'ai repoussée. Pas une raison pour en rajouter ?» Il a ri encore, c'était agaçant au possible. Il m'a pincé les seins sans vergogne. « Allons, avoir endormi ta mère est charitable. T'as bien vu qu'elle n'était pas d'une humeur convenable pour une dame de son rang. »« Riche, c'est bien, messire le bienfaiteur. » Tu as recouvert son honneur d'un pudique voile de sommeil. Et maintenant qu'elle roupie, t'en profites pour canailler sa fille. À foutre, arpailleur, coquin. Et je me suis mise à lui frapper l'épaule de mes poings menus. En vérité, j'étais passablement réjoui du tour joué à ma mère et j'avais toutes les peines du monde à le dissimuler. Mais j'ai pas pu réprimer un demi-sourire. Il a sauté sur l'occasion. Ah, tu vois, ça t'amuse. Oui, bon, c'était assez amusant. Allez, à présent, allons dormir, s'il te plaît. Je suis fatigué. Je disais ça, mais c'était pas ce que je voulais. Je songeais que ce soir, personne ne montrait nous rejoindre à l'étage, dans la chambre des dames, où dormaient déjà mes deux jeunes demi-sœurs de leur sommeil de pierre. Pas même Nenil, fidèle garde-malade, qui couchait désormais auprès de mon frère dans la tour au Grive. La pensée de cette occasion unique qui nous était offerte s'instillait fort vilainement dans mon esprit et s'entêtait à y demeurer. L'ennui, c'est que je ne pouvais pas compter sur mon galant pour m'aider à résister. Il m'a coincé contre le mur, comme il l'avait fait dans la forêt. Son corps s'est avancé à la rencontre du mien. Yash yash, Méjo, je suis pas fille qu'on culbute pour un. Il a écrasé ses lèvres sur les miennes et sa langue s'est immiscée dans ma bouche. J'ai attrapé sa nuque à pleine main et je lui ai rendu son baiser, longuement, passionnément. Nos pubis se sont affrontés, nos doigts se sont plus à agripper les étoffes, à se glisser au-dessous. Nos peaux se sont enflammées partout où elles se sont touchées. Je l'ai mené dans la chambre où il n'a pas rejoint sa couche. La mienne était fraîche et moelleuse, accueillante à souhait. Nous y avons roulé tout à notre volupté. Ses doigts se sont mis à remonter sous ma chemise, et comme par un malencontreux hasard, les deux de ses mains accrochaient l'étoffe, je me suis rapidement retrouvé tout exnué, imaginez mon désarroi. Pudique, j'ai joint les mains sur mon yoni pour en dissimuler la toison. Un peu intimidé, j'ai soufflé. « Tu as déjà fait ça, toi, mes jours ?» Sourire plein d'assurance. Seulement une ou deux fois. C'était un mensonge éhonté, mais j'avais tellement envie de le croire. Je l'ai laissé me caresser et poser sa bouche un peu partout. Ses mains volages, sa langue baladeuse, tout ça m'a rendu déraisonnable, si bien que lorsqu'il s'est finalement couché sur moi, je n'ai pas songé à protester. Ses hanches ont repoussé mes cuisses en douceur, je me suis écartelé sous leur pression. Mes épaules et mes bras se sont laissés aller et j'ai fermé les yeux pour profiter de l'instant. Quand il s'est poussé en moi, je n'ai ressenti qu'un pincement trivial, une douleur fadasse qui n'a pas su me faire vraiment souffrir et encore moins me chavirer de plaisir. C'était déconcertant. J'avais toujours pensé que ce moment me ferait perdre la tête, au lieu de quoi je me suis trouvé allongé sur le dos à m'étonner de sa javeline fichée en moi, qui coulissait lentement, à me demander si c'était une chose agréable ou non. Et très vite, ça l'est devenu. Un peu. Même un peu plus. Chose belle et bonne, je me suis dit, mais tellement éloignée de l'extase que je m'étais imaginé. Il y avait autre chose qui me chamboulait davantage. Ses cheveux ruisselaient dans mes cheveux.
Je voyais disparaître son membre entre mes cuisses. Je sentais son souffle sur mon cou et nos hanches rouler au même roulis. C'était tout ça qui était beau, qui était grand, qui m'émouvait. Et tant pis si ce n'était pas l'ivresse annoncée. J'étais heureuse parce que j'étais pleine de lui, moulée autour de lui, unie à n'en pas pouvoir se décrocher. Quand il a jailli brutalement au dehors pour jouir, je l'ai regardé s'abandonner à son plaisir avec un attendrissement presque maternel. Le bout de mes doigts s'est planté dans ses belles joues pleines, rugueuses de barbe, rase et de rue. Je crois qu'ils ont tremblé un peu. Nous sommes restés longtemps enlacés. Je pense que c'était ça le meilleur moment. Ce temps où il demeurait apaisé dans mes bras et où je me repaissais des sensations précédentes, cherchant à les apprivoiser. J'ai eu envie de le toucher encore. J'ai eu envie de la toucher encore. Cette darde douce qui venait de me profaner. J'ai posé le bout de mes doigts dessus et je me suis mise à l'effleurer avec une tendresse infinie, des attouchements d'ailes de papillon. J'ai dit, voici un sexe d'airain. Les Firwan, ce sont les peuples de l'airain. Il a tourné son beau visage vers moi et il a souri, content de lui. Il s'est mis à... il s'est mis à murmurer des mots doux, des mots puissants. Et je l'ai cru encore, insensé que j'étais. J'ai su que j'étais amoureuse de toute la force de mes hanches, à m'en crever la poitrine. Alors, ouais. Il était mon âme sœur, nous partageons les mêmes souffrances, les mêmes fragilités. À cet âge, je pensais que c'était ça le ciment de l'amour, se reconnaître dans l'autre ou croire s'y reconnaître, rassuré de le savoir aussi faillible que soi-même, attendri de pouvoir le protéger. Malheureusement, quand on construit son premier amour sur des faiblesses partagées, on se fait parfois piéger. J'en dis pas plus.